Les arrivées des migrants subsahariens au Maroc ne sont pas forcément clandestines. Il existe un grand nombre de points d'entrée. La ville d'Oujda, à la frontière algérienne, est certainement le plus connu. Mais des entrées se font tout au long des frontières terrestres algériennes et mauritaniennes, en dépit de l'immense danger que cela représente. Les arrivées aériennes seraient également importantes, notamment via l'aéroport Mohamed V de Casablanca. D'autres moyens, moins courants, existent, comme le passage par la mer entre la Mauritanie et le sud du Sahara occidental. Il n'existe pas de données qui permettent d'évaluer la proportion de personnes entrées par l'aéroport, par la frontière terrestre ou irrégulièrement par Oujda. Mais de la même manière, il n'est pas avéré que la majorité des étrangers d'Afrique de l'Ouest et centrale passent par Oujda, ni d'ailleurs que ceux qui sont en situation irrégulière soient passés par Oujda. Un certain nombre d'entre eux sont entrés régulièrement et se sont ensuite retrouvés en situation irrégulière. En effet, les ressortissants de certains pays d'Afrique subsaharienne, Sénégal, Mali, Niger, Congo-Brazzaville, peuvent entrer 3 mois sans visa au Maroc. La récente ouverture du roi Mohamed VI à l'Union africaine pourrait étendre ce type d'accord avec de nouveaux pays. La physionomie du voyage change donc nettement selon la possibilité d'entrer légalement ou pas au Maroc. Mais par-dessus tout, c'est le budget qui détermine le chemin et les modes de transport utilisés. Niveau financier, c'est surtout les moyens. Parce que quitter, prendre l'avion du Sénégal pour aller au Maroc, il faut à peu près, je peux dire, 400 euros. Et 400 euros, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, avec 50 euros, je peux quitter le Sénégal et aller au Maroc, par la route, avec 50 euros, quand tu connais la route. Par la route. C'est ainsi qu'il désigne la longue traversée du Sahara, à pied et en voiture, qui dure souvent des mois, parfois des années. La totalité des personnes migrantes que nous avons rencontrées affirment être venues de cette manière. Je suis arrivé au Maroc clandestinement, en quittant le Cameroun, passant par le Tchad, puis je suis entré au Soudan, je suis revenu en Libye, la Libye, je suis revenu en Algérie, l'Algérie, au Maroc. Du Maroc, en passant par l'Algérie, je suis entré à Oujda. J'ai fait Congo-Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Algérie et puis le Maroc. Les parcours par la route sont multiples. Les seuls points communs à tous les témoignages, la difficulté et la violence. Du Bénin pour le Niger, c'est aussi une frontière vraiment difficile. Vraiment difficile, sécurisée. J'ai été obligé de prendre la bureau pour pouvoir entrer au Niger. Et du Niger, j'ai fait 3 semaines au Niger. Un pays aussi beaucoup difficile à recevoir. Quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de la majesté là-bas. Bon, c'est un pays vraiment pas du tout facile. J'ai fait 10 jours déjà, 10 jours sans manger, sans boire l'eau. Et on a vu un monsieur qui dirait qu'il pourrait nous faire traverser pour entrer en Algérie. Il nous est allé nous abandonner au désert. On a fait 10 jours là-bas, sans manger, sans boire l'eau. Au désert, mon frère, j'ai vu des gens mourir, mon frère, je ne peux pas te mentir. J'ai vu des gens mourir devant mes yeux à cause d'une pièce de moteur, quelqu'un a décidé devant moi. Une pièce de moteur. Et il se fait passer, il dit, la voiture est tombée en panne. Il dit que lui, il est mécanicien. Il peut arranger la voiture. Bon, il est parti, il a ouvert la voiture, le capot. On ne sait pas ce qu'il faisait, il avait un tuyau, il était en train de siffler à l'intérieur. Il aspirait, on ne sait pas, il a avalé une pièce. Bon, maintenant, le monsieur, c'était un Touareg, celui qui avait la camionnette. Il est parti, maintenant, il veut démarrer l'engin. L'engin, ça ne démarre plus. Bon, lui, maintenant, il maintenant, comme eux, ils ne réfléchissent pas. Eux, là-bas, c'est des gens de fous. Ils sont comme des terroristes, mon frère. Ils sont dans les frontières. Ils sont bandés tout le visage. Tu vois, tu les vois même pas. Il dit comme c'est lui. Lui, il a dit qu'il était mécanicien qui pouvait arranger la voiture. Bon, là, la voiture ne démarre plus. Bon, maintenant, tu dois chier cette pièce-là. Il fait comprendre au mec que si la voiture ne démarre pas, ça doit être la pièce que tu as avalée. Il faut que tu chies cette pièce. On a donné des biscuits au mec de manger. Il n'a pas mangé. Bon, le monsieur. Avec ses frères, ils se sont fâchés. Mon frère, je ne peux pas te mentir. Ils ont tué ce monsieur. Ils ont ouvert le ventre de ce monsieur, retiré la pièce, remis dans le moteur. On a démarré, puis on est parti. La frontière du Maroc aussi, ce n'est pas quelque chose de facile.
Ils ont un trou vraiment profond. Ils ont un trou vraiment profond. Et en traversant ce trou, quand tu parviens d'abord à traverser ce trou, tu affrontes encore une autre barrière, qui est une barrière à fil barbelé, que tu dois aussi te débrouiller à grimper et à pouvoir traverser. C'est là qui fait que parmi nous, il y a d'autres frères qui se blessent sur ces fils barbelés, d'autres se penchent et d'autres ne parviennent même pas. Entre les températures extrêmes, les distances gigantesques à parcourir, la faim, la soif, la solitude, les trafics d'êtres humains et les conflits, le parcours pour rejoindre le Maroc est un véritable cauchemar. La plupart des personnes interrogées ont d'ailleurs refusé de raconter leur voyage devant nos caméras. Les ONG, notamment Médecins Sans Frontières, s'alarment sur les traumatismes physiques et psychologiques que peut créer ce périple. Dans un rapport publié en mars 2013, MSF s'inquiétait. Les différents incidents et traumatismes subis durant le processus migratoire peuvent créer des besoins psychologiques concrets qui peuvent s'aggraver en l'absence d'une assistance appropriée. Fournir des soins de santé à cette population en constant déplacement qui, pour la plupart, vit centrée sur le rêve d'Europe et qui est souvent réticente aux soins de santé psychologiques pour des raisons culturelles suppose un grand défi. C'est vraiment un truc triste parce que durant le voyage, tu peux voir des gens mourir dans le désert. Tu peux voir des gens se faire agresser et mourir sur la route. Tu peux voir des gens manquer des transports pour continuer à une autre ville et mourir dans la ville où ils sont. Donc c'est une succession de tristesses. Pour dire en vrai, si c'était pas pour un avenir meilleur, je crois pas qu'un Black aurait quitté son pays pour chercher mieux. Parce que ce qu'on traverse, c'est vraiment incroyable. Le voyage par la route des migrants subsahariens est une désolation. Mais une fois au Maroc, la tragédie est encore loin d'être terminée.